Appuie sur la pédale quand ça va être plus. Ouais, t'as coupé. Bon, cool. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut Pascal. Bonjour. Ouais. Bah alors, t'as sorti la tiraille de Noël? Bah regarde. Ah, il est trop beau. Je veux le même. J'ai du stock. Ouais, j'espère. J'ai du stock. Bah oui, puisqu'on est au mois de décembre, les enfants. Eh oui. La neige est presque arrivée. Non? Oui, presque. on va parler autre chose, mais c'est Noël. Noël, ça arrive à grands pas. Et donc, on va avoir des petites, des petites surprises quand même pour Noël. Hein, parce qu'on fait des trucs. Mais pour cette vidéo d'aujourd'hui, j'ai voulu mettre. Ah, j'ai encore l'étiquette, dis-donc. Le beau bonnet. Il y a même le prix dessus, je suis sûr. Le beau bonnet de chez Monsieur Fender. Pourquoi Monsieur Fender? Parce que regarde. Non, mais me dis pas que c'est pas vrai! T'as réussi à mettre ta main dessus une. Non mais la, me dis pas que c'est pas vrai. C'est le truc que tout le monde parle mais qu'a jamais vu. L'American Vintage. Bah disons qu'on les voit puis après elles disparaissent alors. Donc. C'est ça. Eh bien oui, c'est l'American Vintage 2. Vintage 2. Ouais, c'est la Telecaster 51. Bah, ouais. Voilà. Alors ça, attention, pièce de collection bientôt parce que y en a pas. Bah je sais pas s'ils vont en faire beaucoup mais franchement là. C'est vrai que c'est pas. Ça court pas les rues. Hein, ouais. Voilà, bon, elle est magnifique, c'est une BTB. Tu m'en parles un peu? Oui. Bah alors voilà. C'est la nouvelle collection Fender American Vintage 2 qui remplace les fameuses American originales qui sont parties petit à petit hein, de la gamme. Et on retourne du coup sur. Eh ben le modèle les modèles historiques Fender. Hein, du Absolument. Coup, bon. Made in USA. Hein oui, moi c'est la Merlock, bien sûr. Hein, voilà, la Merlock. Hein, c'est de la Merlock. Hein. On va retrouver ici bah, sur ce modèle 1951. Eh ben, on va avoir un corps en frêne, monsieur, en butterscotch blonde. Très beau. Avec un pickguard phénolique, tu sais. Ouais, bah comme à l'époque. Hein. Comme à l'époque. Pareil. Les petits pontets en laiton. Qui vont bien. Les petits micros. Eh ben cette fois-ci. Comparé à la. Alors, c'est quoi la différence? L'American original. C'est ça le truc. Là, on est sur les Pure Vintage 51, l'année qui correspond à la guitare. Ok. Voilà. Donc, ils ont copié les Vintage 51 à l'identique et les ont mis dedans. Voilà, en gros, c'est du bobinet à la main pour sonner comme les 51. Okay. Par contre, au niveau câblage, on est sur un câblage moderne, hein, on est sur un oui. câblage de Telecaster. Ouais, parce que là, ouais, absolument. Il n'y a pas de blend là-dessus, hein, non, même non. si on est 51. Non, non. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre de 51 sur cette guitare? Eh, regarde. Qu'est-ce que c'est ça? Non, me dis pas que c'est pas vrai! Mais ils ont fait ça! Des vis! Ils ont mis des vis! Des vis, mais pas des vis en Philips! Des oui. vis! Des vis plates? C'est des ça vis, qu'on comme dit. À l'époque. Comme à l'époque. À tête plate. À tête un peu plate. Comme moi. Tête plate. Tête quoi. Plate? Montre. C'est ouais, ça. Un peu tête plate. Non, mais des vis à tête plate, parce qu'à l'époque, les mecs. Ils connaissaient pas les crucifix. Ce qu'on appelle le cruci, je sais même pas si c'était inventé vraiment. Ouais. Là, vous allez me dire, parce que vous êtes plus spécialiste que moi. Spécialistes. Et donc, voilà, on revient à des têtes plates. Voilà, hein, tête donc, plate, donc voilà. Ce qui change qui est tout le son de la guitare. Eh ben oui, bien sûr. Tout là, ça change tout. Bah, c'est-à-dire qu'avant, on avait les cruci, ouais. c'était bien. Là, on retrouve l'esprit 51, peut-être. Et là, d'un coup, on a la tête plate, et là... C'est mieux. Bah, tu vas voir. Ouais. Regarde. Bon, attends, on n'a pas parlé. Oh. Le manche érable. Parce qu'il y a un manche. Bah oui, c'est mieux, un okay. manche pour mettre ses doigts dessus. Et... On est sur un gros profil en U. Oui, là, c'est parce que moi, j'adore. Alors, donc, bon, je suis chez moi, là, de la et matière donc, et tout. L'American Vintage 2, ça marque le gros retour du Radius en 725 Vintage ouais. que les gens
Bah, tu vois, finalement, le 9-5, bah, il y en avait, ça leur conduit, ça allait pas, en Pain, fait. quoi, qui? Le Radius 9-5 des Américains Ok, originaux, il y a des personnes, ça leur allait pas. ok. Ils voulaient le 7-25 Non, mais oui, mais d'avant. parce que ben c'est comme ça, toi, ça fait partie du truc. Donc voilà le 7-25 de retour. Et voilà, Moi, j'aime bien. livré en étui. Très Bah, très en belle étui, c'est de pièce. la merloque. Bon, on fait un petit tour dessus un petit peu. Ouais? Hein, voilà. Allez, vroom! Là, je suis en son clean, hein, donc plus clean dessus. C'est bien comme le truc, hein. Là, on reconnaît le son typique de la tête plate. On va se faire tamponner par monsieur. Tout à l'heure, la tête plate, on va l'avoir. C'est bien, hein, c'est bien. Ouais. Hein. C'est bien. Elle attaque vraiment. Ah non, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Là, on rigolait avec les têtes plates, mais eh ben, ça y fait pour beaucoup. Là, je vais me mettre son micro. J'adore celui-là, tu sais, pour la crème. La crème de la crème. Mais Bon, c'est dit. voilà, j'arrête de déconner, c'est de la balle. Voilà. Et le machin, c'est de la balle. Et moi, je suis Télécaster. C'est une balle. T'étais branché dans quoi, dis-moi? Je suis branché dans un Fender, du coup. Ouais, je me suis branché dans un petit. Un Autrode 4! Deluxe, hein. Ouais, regarde ça. Un petit Deluxe, ça marche super bien, c'est Fender. Attends, je vais aller voir tes réglages, autrement ça va gueuler encore. Non, bah, regarde, j'ai pas grand-chose. Un peu de présence, la reverb elle est à 3, master, bah, j'attaque pas à fond, Ouais. chanson clean, middle, basse, treble, à savoir que quand même, le petit, Il développe. il développe et puis il tord vite. Ouais. Hein, il peut tordre vite, hein, parce qu'on voit. Bon, c'est bien, parce que celle-là, moi je l'adore, mais et on s'est dit, allez, allez, allez! On Eh va aller ben, voir les après avoir Japonais. le meilleur des US, Là, on va aller voir le meilleur du Japon. il est où le trou? Bah, il est planqué, Ah ouais, regarde là. non, putain. Attention, Oh, quelle hop pute. là! Alors, je découvre, j'ai jamais joué cette guitare. Bon. Alors, vas-y, parce que ça, c'est Ibanez. Monsieur Ibanez, Japon. Ibanez Japon, série Prestige. AZS 2200. QRBS. Alors, tu vas me dire, AZ, pourquoi? Eh ben AZ parce que tu peux jouer la musique de A à Z dessus. Voilà. Tu peux jouer de la musique de A à Z dessus. Ouais, te pars de ABBA à ZZ Top, tu vois. T'es sûr que t'es sûr que les Japonais vont adorer ça? Monsieur Chino, alors oui, là, A à Z. Moi, je veux bien tout, mon Ouais. Pascal. Moi, c'est un puits de science pour moi. Alors, voilà, maintenant, quand j'aurai une A à Z, c'est la musique pour jouer de la musique de A à Z. Voilà, Et c'est c'est tout. exactement Et ça. basta. Hein. Bon. On a pris un truc, là. Non, non, mais vas-y, continue. Voilà, Que donc je te elle est coupe pas. équipée avec un super, deux micros Seymour Ouais, Duncan. donc là, ça doit vous développer un peu plus. Hein. On a un Magic Touch Mini en manche, donc un Ouais. mini humbucker. Et on Ouais. a un
Alors attention, je vais le dire bien parce qu'autrement je me fais engueuler. Vas-y. Ah oui, alors attends. C'est mal. Alnico Pro 2. Voilà. Alnico Pro 2. Voilà. Qui est juste en sur mon chevalet. Okay. Et tu as un petit switch. Un voilà. Petit switch qui fait. Pas un petit alors, suisse. Et rien à voir avec des petits suisses. Hein, mais c'est un halter switch. Ça fait les mecs qui sortent de table, tu sais. Ok. C'est un halter switch. Qui te permet d'avoir tes micros câblés en parallèle quand tu es en position chevalet et intermédiaire. Ok. Bah allez, on va essayer ça. On est sur un manche rustique, bien sûr. Oui, et très beau. Ouais, très très beau. Très très beau. Bon, alors moi j'y vais, attends, je vais faire mes petits trucs, mes petits bouinages. Je fais mes bouinages. Hein. Tiens, j'ai fini avec celle-là, là, sur un truc. Il est bien. Oui, hein. Chaud. J'aime beaucoup, hein. Bon. Eh, adopté. Ouais. Le petit là. Bah, tu sais que Fender avait, pour revenir à Fender, ils avaient sorti ta petite copine à côté là. Ouais. Ils avaient appelé Hot Rod 52, ils avaient mis un petit Seymour Mini Humbucker comme ça et ça avait été un carton cette guitare. Ouais, tu vois mais parce que faut y penser. Là je suis au milieu là. Hein. Au milieu. Un tac, ça pique. Ça me. Un petit. Tout de suite un peu. Ça pique. Ok. Vas-y. On attaque. Bah tout de suite, hein. Il envoie le monsieur. Hein. Là, il envoie. Et regarde, j'ai mon petit bouton. Mon petit bouton. Ouais. Hop, je change. Ça couac, hein? Ça marche, hein? Ah ouais, ouais, c'est bien, hein? Ouh, bah dis donc, tu sais, mon Pascal, ouais. J'aime beaucoup ça. Tu vois, un petit côté Ibanez, ouais. Mais la Telecaster selon Ibanez. Vintage. Vintage, mais moderne. Attends, je vais mettre un peu de soufflerie là-dedans. Ouais. Et de soufflerie parce que regarde. Soufflerie parce qu'on a fait quoi? On a la nouvelle Catalin Bread Element Overdrive. Element Overdrive. Un switch et un gros bouton de volume. Et ça suffit. Ça, j'adore. Ça, c'est juste le truc. Un peu. Regarde, tu tombes. C'est pour les guitaristes qui n'ont pas envie de se faire s'embêter. S'embêter. Hein? Non, mais sans blague, c'est génialissime. Bon, alors, je vais faire un tour avec elle chez Monsieur Catalin Bread avec son oreille élément. Je monte un petit peu mon overdrive. Hein. Du steak. Le overdrive de chez Monsieur Catalin Bread. Un seul potard, mon rêve absolu, ils l'ont fait. Ouais. Plus de correctifs, plus de corrections, plus rien, non, rien. Tu rentres et puis bam, bam, bam. Ouais. Ou pas bam, mais là c'est bam parce que regarde, son clean. On clean du me. Hein. Ouais.
Voilà. Voilà. Aucun réglage. Rien. Rien. C'est beau, c'est bon. Ah non. Alors, le gros bouton, en plus, tu peux le tourner avec ton pied. Oui, alors bon. Alors, faut apprendre un peu à être agile, quoi. Non, non, une fois que tu as le réglage là-dessus, de toute façon, tu bouges plus, tu démontes le bouton, tu scotches du GAFA, puis on n'en parle plus. Hein. N'empêche que. Super pédale, et il y a d'autres hein, pédales, hein. Il y a la Everdrive, il y a la distorsion, il y a la disto, alors, que j'ai pas essayé. La disto et fuse, je crois. Il y a une fuse, que j'ai pas essayé non plus. Là, on a dit on prend le Everdrive parce qu'on était avec les télés. Mais punaise, j'ai envie d'accélérer le reste maintenant. Hein. Bon, on a diffuse, mais on sait très bien que ça se diffuse. Hein. Si les gens ils comprenaient que fuzz. On croyait que ça se diffuse, c'était pour rigoler. Hein. Ouais, c'est bien fuzz. C'est bien ça. Hein. Ouais. Bon, attends, ça vaut combien ça? Eh ben, monsieur, t'es dans les. Quoi? T'as perdu le prix? 2500 balles. 2500 balles. Mais ouais. M'étonne pas. Hein. Là. Bah, t'es sur du Japan. Hein. Japan, bien équipé. La petite là, bon bah t'es pas loin des 2500 bientôt hein, parce que y en a pas 2200 balles actuellement en street, mais et encore tu vois c'est des trucs elle risque d'être plus chère, moi je te le dis, la prochaine sera peut-être pas le même prix, c'est ça. Alors tu vois, j'en prends tout de suite après là, c'est complètement différent, je vais remettre un. Je sais pas toi, mais moi l'Element, elle va à la maison. Hein. Eh ben quoi, je vais en prendre une aussi. Ouais. Je vais en prendre une, t'as vu le boulot. Ça marche avec les deux pelles. Après, il faut choisir quelle pelle on veut. Oh là là, ça fond. Franchement là, bon alors, je reprends. Ouais. La Vintage 2. Boum. La baffe. Ok, pas de problème. Libanaise, Japan, Prestige là. Bon, la fameuse, alors attends, il faut sortir de AZS2200Q-RBS. Oui, parce que Royal Blue Sapphire, monsieur. Royal Blue Sapphire. Ils ont raison, et les Japs, ils ont raison, parce que là, ils donnent vraiment les noms, voilà, mais bon, c'est vrai que des fois, c'est chaud. Hein. C'est super bien. C'est topissime. Bah, ça te donne une sacrée palette de sons. C'est topissime. Une sacrée palette de sons. C'est topissime. Oh là là, je suis. Bon, et puis, on n'oublie pas notre Fender Hot Rod. Je le vois aussi. Il est là. Parce que le monsieur, là, il est là. Hein. Et puis, vous avez vu un peu le son qui dégage. Hein. Bon. Ok, bon, Hot Rod, je prends. Overdrive Cat'n Inbred, je prends. Mm-hmm. Ben, s'il n'y en a qu'une, elle est à moi. Je prends, j'ai dit. Voilà. Oh là, tu. Oh, mais. Hop. Oui, bah vas-y, rigole. Rigole. Non, parce que celle-là, je l'avais déjà choisie. Donc, ça va pas être possible, ça, monsieur. Il y en a qu'une, donc elle est pour moi. Hop, viens par là. Donc, la 51, bon, bah voilà. Hein, une sacrée réédition de la bête. Quand même. Deux votes pour une Vintage 2, c'est pas bien. T'aurais pu prendre la Libanaise, qui est excellente, Pascal. Elle est ultra polyvalente. Et qui va correspondre à des guitaristes plus modernes. Bon, alors, attends.
Je change mon choix exceptionnellement. Oh, non, bah, parce que tu vois, des guitares avec mini humbucker, j'en ai pas trop. J'en ai même pas du tout. Bah, et une Telecaster avec un mini humbucker, parce qu'on peut appeler ça une Telecaster, regardez la forme. Elle a un trem que on n'a pas mis, mais elle a un trem. Oui, c'est une Telecaster hybride, Ibanez, RG, AZ. Et puis, bon, voilà, 26, des Telecaster, 24, j'en ai déjà 15 à la maison, donc je vais prendre un truc qui change. Hein, et hop. Bon, ok. La AZS, bon, c'est pour moi. Ça fait un partout. Voilà. Et à vous de choisir entre ces belles dames. À savoir que les prix sont les mêmes, hein, le 2200, 2400 balles. Allez, c'est sûr, c'est un prix, mais ça sonne dur. Le petit ampli, on n'a pas parlé du prix, lui, il est à 1000 balles, hein, le Trode. La Catalina Bread, je ne sais foutrement rien. On va vous mettre les prix. Elle doit être à 169 balles, je crois, ou 169 balles. Tu te mouilles, tu peux y aller, si tu feras un bip, sinon. Hein. Ouais. En tout cas, cette pédale, ben, moi, j'adopte, hein, puisque, je ne sais pas, ça me parle. Ouais. Ça me parle direct. Moi ça me aussi. Parle direct. J'ai pris celle-là, Pascal prend celle-là, à vous de choisir. Et puis, on fait quoi pour s'abonner? On met sur ta tête, sur ton bonnet là. Paf! Paf, on s'abonne là! Sur le bonnet. Mmh. Et puis, du coup, une fois que vous êtes abonné, ben, vous pouvez nous dire ce que vous voulez. Plutôt gentil, on aime bien quoi. Ils sont pas obligés de s'abonner pour nous dire des trucs. C'est en fait, vous pouvez nous, ouais, nous pouvez nous, ouais, SMS, mail. Mais c'est mieux qu'ils s'abonnent quand même, parce que comme ça, ouais, on pourra faire plus de vidéos, encore plus. Ouais. En tout cas, nous on vous fait des gros bisous. Bisous.